les banques, les financiers, nos gouvernants, l'Union européenne ont failli. L'oligarchie financière qui nous gouverne a assez profité, assez gaspillé, assez pillé, assez ruiné notre pays. Ils profitent et nous payons, c'est les trop. Les banques sont ruinées, il faut les renflouer par nos impôts. Eh bien soit, payons encore, mais si nous les payons, elles nous appartiennent. Il faut les nationaliser. Il faut que la France revienne à la France. Mais ce n'est pas tout. Il nous faut leur reprendre le pouvoir. Nous qui payons tout, nous qui faisons tout, nous qui sommes tout et n'avons aucun droit, prenons-le. Ensemble, tous les travailleurs, tous les Français, reprenons en main notre destin. Reprenons en main notre pays. Arrachons-le aux griffes des vampires de la finance internationale. Formons un front commun contre le mondialisme. Ce front commun ne pourra être que populaire et national. Parce que nous sommes le peuple. Et national parce que la nation, face à la crise mondiale systémique qui nous oppose, est la seule solution. C'est la même solution que fit en son temps Roger Stalagro. La même réponse. Oui, nous sommes les héritiers de Roger Stalagro. Bien sûr, nous n'avons rien à voir avec ces socialistes corrompus. Qui ont trahi le socialisme, qui ont trahi le Front Populaire, qui ont trahi les travailleurs, qui ont trahi la France et les Français, et qui, suprême ironie, ont failli être représentés par un président du FMI. Nous sommes, comme Roger Stalagro, des socialistes de préférence nationale, parce que la nation est la seule défense, le seul garant face aux vampires de la finance mondiale. Alors, nous, troisième loi, obstacle, nation, nationaliste autonome et franco-soir, nous sommes unis dans le Front Populaire Solidariste. Populaire parce que nous sommes toujours le peuple. Solidariste parce que nous adhérons au principe du solidarisme. Et un front, parce que nous devons nous battre de front, tous ensemble, contre le mondialisme et ses ennemis du peuple. Nous battre jusqu'au bout. Nous battre jusqu'à la victoire. Nous battre jusqu'à la révolution. Une révolution nécessaire et indispensable, mais une révolution légale. Par la grève générale. Et ce jour-là, dans toute la France, des comités de salut public seront instaurés. Et ce jour-là, dans toute la France, les exploiteurs et leurs valets seront traînés devant le grand tribunal de l'histoire et jugés pour crimes contre l'humanité. Car, humilier ainsi, exploiter ainsi, mépriser ainsi tous les peuples de la planète, ça c'est un vrai crime contre l'humanité. Et ce jour-là, bientôt, je vous certifie, la justice populaire sera implacable comme toujours. Et pour tous ces ennemis du peuple, 4 000